Salut tout le monde, c'est AK36AW pour la 11ème partie de Subwalk. Thrus en Stalker Call of Pripyat agrémenté du mode Misery 2.2. Alors ici, on va avoir besoin d'un container à artefacts et je vais également bazarder des munitions histoire d'aller en racheter. Je vais aller aider les scientifiques et pour cela on va avoir besoin d'une combinaison scientifique. Je vous conseille de l'acheter chez Lawayan parce que ouais, les scientifiques en vendent une, mais elle est à peu près 10 000 roues plus chère. Ouais, il est en... un bel inventaire ici. Ouais, donc ici on va racheter des balles et du fun. Stay out of trouble. I just had a hunter here who saw a chimera last night. Judging by the description, it's the same one we're after. Come see me if you can. It's important. Donc voilà, ici, le trappeur nous informe que le chasseur de Zaton a découvert où se planquait la chimère qu'il avait blessée au cours de son expédition avec Fox et il nous demande gentiment d'aller régler ce problème. Howdy. Hey, bro. Donc lui c'est Gary, et il s'est mis dans un contrat qu'il ne saura pas terminer avec les scientifiques, et ça consiste à récupérer un artefact morceau de viande et un coloboc. Quant à lui c'est un militaire qui faisait partie justement des équipes Stingray. Son hélicoptère s'est crashé ici, il a réussi à s'en sortir, il est allé vers un point d'évacuation, mais... il n'y avait personne, apparemment, et d'autant plus il n'a pas envie de nous donner des informations vu que c'est classifié, vu qu'il n'est pas censé savoir qu'on a un agent sous couverture. Et donc il s'est retrouvé ici, justement, il a rencontré Gary qui l'a ramené au bunker scientifique. Alors voici nos deux scientifiques préférés. Very well, come on over. On va d'abord aller voir Ozerski, qui nous parle de la légende de l'Oasis, petite légende de la zone, qui est une réalité en fait, et donc nous on va devoir lui apporter une preuve que ça existe. Contre Herman, on peut lui demander s'il a besoin d'aide, mais il va nous envoyer chier parce qu'on n'a pas l'équipement adéquat pour survivre dans des émissions psy. Enfin des émissions psy, dans des... ouais, des émissions psy en fait. Tandis que si on a la combi, il est tout à fait d'accord. Et donc là en fait ils ont repéré des trucs bizarres justement au niveau des missions psy près de... de ce tunnel là. Et il aimerait envoyer une escouade pour aller faire des relevés. Seulement on n'a pas besoin de ça pour l'instant vu qu'on va aller s'occuper de la mission de l'Oasis. On bazarde la combi. Et on va découvrir où se trouve l'Oasis. Dans un pur hasard. Donc là, par le plus grand des hasards, bien entendu, nous allons découvrir l'Oasis.
si je sais pas, il y a cinquantaine de Tuscan. Je sais pas non plus comment leur facteur d'agressivité est géré, parce que... Parfois vous en avez trois sur vous et ils vous attaquent tout simplement, et parfois ils passent juste à côté de vous. Je ne sais pas. Voilà, celui-là nous a complètement snobé. À noter, regardez la taille du bazar, et ça fait trois fois plus de bruit que les chats. On pourrait me dire qu'un chat, c'est très discret tout le bordel, mais quand ça sprint, tu l'entends comme n'importe quel autre animal. Voici les outils de calibration, je crois. Ouais. Détruire les saloperies qu'on a récupérées. On va les laisser vivre en paix. Et donc voici le chemin de l'oasis. Alors ici, entre chacun de ces piliers, en fait, il y a une sorte de code à établir. Donc chacune des séries de piliers, on va devoir passer en fait au pilier qui va activer, entre guillemets, le passage. Si je me rappelle bien, il y a déjà ceux-là. Après c'est celui-là. Si je me rappelle bien. Je me rappelais bien. Voilà, donc pour activer l'oasis, il suffit juste de passer par le même chemin que j'ai pris. On va poser ça. Bien vite s'éloigner. Et donc voici la preuve de l'existence de l'oasis. C'est magnifique, hein, en vrai oasis, n'est-ce pas? C'était en très très bon positionnement, hein. On ne peut le dénier. Donc voilà, c'est... entre guillemets, sympathique comme artefact, surtout pour la régène d'endurance, la réduction des saignements. Mais du reste, bon, ben, c'est un peu de la merde. Hein. C'est pas ça, il faut... Parce que l'artefact, tu peux le mettre dans le container avant de le prendre en main, mais pour le retirer, il te faut l'outil. Même des tissus de cerveau de contrôleur. Parfait. Donc oui, je préfère quand même le tuer. Même s'il reste ici, c'est préférable de le tuer. Déjà, premièrement, parce que c'est un Psy Dog. Donc c'est
un chien contrôleur en quelque sorte, qui va envoyer des leurres et des conneries dans le genre dans le coin. Et par-dessus tout, il envoie une aura psy tout autour de la zone. Donc si jamais vous repassez ici et que vous n'avez pas de protection psy, vous allez prendre cher. Bon, et sinon l'artefact 36 de radiation à la seconde, c'est pas fameux non plus. Même le conteneur le plus efficace ne saura pas éliminer ses radiations. Je crois que j'ai vu du rouge, hein, ça doit être des mecs du devoir. Ils ont déjà fouillé les cadavres. Alors, il nous faut l'artefact en main. Hello, it's always nice. Et là, on lui dit, j'ai trouvé l'oasis. Génial. Et donc, yes. Avec ça maintenant, lui. Il a ouvert son magasin et il nous vend une combinaison pour 6000 roubles de plus que là où on l'a acheté chez Hawaï. Dans des bonnes rations militaires, tout ça. Mais voilà, il les vend quand même en général plus cher que chez les autres marchands, donc c'est peut-être pas super intéressant tout de suite. Plus tard, quand on aura réalisé quelques missions pour eux, ce sera probablement un peu plus intéressant. Ici par contre on va prendre les deux combis. J'ai pas trop envie de tester ma chance face aux émissions psy, donc on va quand même les quitter. Don't worry, you can count on the boys to take the muties out nice and quick. Ouais, c'est ça. Bon. Ben voilà. C'est parti. Ils sont sympathiques, ils nous ont même mis en voyage rapide. Seulement faites gaffe parce que... Les voyages rapides, c'est bien sympathique, sauf quand on spawn au milieu d'ennemis. Ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous dire, c'est plutôt le bordel, parce que t'as le fade au noir, t'as le fait que... T'es pas prêt à te faire enculer dès que t'as un voyage rapide. Hein. Et pourtant... Bon, par contre, je tiens quand même à préciser, ne faites peut-être pas comme moi lâcher une combi comme ça au milieu du bordel,
si on était dans une zone sécurisée, entre guillemets. Il n'y a pas de PNJ qui peut aller la ramasser en plus. Je crois que dehors, elle aurait quand même pris des dégâts. Donc, faites gaffe. Voilà. On voit déjà qu'on est pour les émissions. Gore, we'll cover the entrance. I'm listening. Ça sent un revolver. On va la laisser passer. It's all good. There are a few hamsters in there, but we dealt with them. Voilà notre super artefact qui lui par contre nous donne 40 quêtes de radiation à la seconde. Une bonne protection psy et électrique, voire très bonne. Watch, watch out, control, control, controller. Ouais, c'est pas un butin fameux. On va pas faire la fine couche. Impossible. Terrible. Man, my head is killing me. On va voir si on a bien récupéré tout le monde, normalement oui. Le technicien des scientifiques, sauf que lui ne fait pas les améliorations d'armes, etc. Good luck. Yes. Hello. It's always nice to see a new face in our bunker. Voilà, donc lui, en gros, il nous dit qu'au vu des événements récents, il nous fait plus confiance qu'à son équipe. Donc on va simplement servir de cobaye pour aller planter des scanners dans des anomalies avoisinantes. Le prix n'a même pas changé. Fort sympathique de sa part. Donc dans le mode, si jamais vous cherchez un détecteur VLS, passez lui faire un petit coucou. Après un moment il devra en vendre. Bon, cela dit, on peut aller déjà planter celui-là. Ça sera fait.
Un peu trop, hein, avec la précision de la case, je ne sais pas s'il sera vraiment réalisable. Ces enfoirés bougent comme des trous du cul. Voilà, donc c'est les fameux scanners. En train de nous faire la guerre là. Bon, les pseudo-chiens, je suis un peu moins fan. Ouais, c'est bon, il a enlevé les morceaux de mutants qui retirent ma résistance électrique. En même temps, il a bazardé les détecteurs dont j'ai besoin. Tristesse. Traverser de part en part. Alors, un petit artefact sympathique. Ce n'est l'augmentation des saignements. On va récupérer ça. Vu que grâce à la combi, je ne veux pas en avoir des tonnes non plus. On va le mettre à l'honneur.
Bon, j'ai peut-être pris un peu plus de radiation que je ne pensais. Voilà, apparemment, rien que le bec ne puisse s'arrêter. Ah, lui, il fait genre, il me fonce dessus, je lui mets mon AK dans la gueule et il se dégonfle, hein. C'est lui qui a fait ce bruit-là. Il fait un bruit d'impact de balle, quoi. Pas lui atterrir sur le toit, avance pas. Ah bah quand même! Alors... Ah mais ça se vend bien en fait cette merde. Bah réellement c'est tout ce que j'ai pour lui. C'est ça. Pop in sometime. It can be pour le prix auquel ça se vend, je crois que je vais le garder quand même. Spill it. Vachement plus intéressant ici. Des labels. Est-ce que t'as... Parfait. Ah, j'ai oublié de vendre ça, tiens. On a rien récupéré de bien au niveau des armes. Toujours pas de grenade pour mon lance-grenade. Enfin, c'est fou. Le mec il vend des roquettes de RPG mais il me vend pas de putain de grenade. Bon, c'est pas grave. Next. I'm listening. On va également aller voir Nitro qui a débloqué le module de l'UAV. Calibration et mon équipement est en parfait état. See you around. Voilà, il a marqué sur la map les emplacements des planques de Strelok. Vu qu'on en avait déjà découvert une, celle qui se trouvait ici, je me demande s'il nous en a pas donné une autre en fait. Du coup, les planques importantes sont celles qui se trouvaient ici, celle-là et celle-ci. Également, il nous prévient que son assistant a bizarrement disparu au moment où il a débloqué le module, donc là, je dis ça, je dis rien. Non, on va pas les déposer la vidéo suivante. On va un petit peu s'amuser la prochaine vidéo. Alors, au niveau de mon équipement... ça, on le pose et le reste, moi, je le garde.
Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook ou sur Twitter pour vous tenir au courant. Et sur Twitch pour suivre mes lives. Sur ce, à plus tout le monde, et bon frag.